Sur les acclamations. Il a dit que lorsque vous acclamez, c'est comme s'il y avait la tête de vos ennemis entre vos deux mains et qu'en acclamant, vous écrasez leur tête. Voilà, quand je te dis ça, je suis sûr que ta façon d'acclamer va changer. Et là, tu imagines la tête des ennemis entre tes deux mains et pendant que tu acclames, tu écrases la tête des ennemis. Mais est-ce que tu peux acclamer? Pourquoi nous respirons?
exalté, exalté. Alors, pour cela, nous allons inviter notre frère Flavien, Otto Flavien, qui va venir nous parler de ça. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On a le choix ce soir de présenter la communauté qui nous rassemble ici et que nous dénommons les hommes les plus heureux sur Terre. Est-ce que quelqu'un est heureux ce soir? Oui. Est-ce qu'il y a la joie ici ce soir? Est-ce qu'on peut se faire un grand bain ce soir? En abrégé en français, et Full Gospel Businessmen International Fellowship est une communauté qui rassemble des leaders, des croyants, des professionnels chrétiens autour de la foi en Christ. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous gagnons des âmes au travers du témoignage. Alors, le témoignage, c'est notre arme phare. Comment nous nous y prenons? Nous nous réunissons dans des lieux neutres comme ici, dans des hôtels, dans des restaurants, où nous partageons notre témoignage de la réalité de Christ aujourd'hui encore, qui vit et règne éternellement à jamais. Alors, comment la communauté est née? Elle est partie d'une vision que notre fondateur, Demo Chakarian, a reçue dans les années 50, en 1957, et Dieu lui a parlé, et il a remarqué qu'il avait un déficit de présence des hommes dans les assemblées chrétiennes. Il s'est demandé pourquoi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu a révélé une vision dans laquelle il a vu des hommes, dans un premier temps, qui étaient enchaînés. Et dans une seconde partie de la vision, il voit ces mêmes hommes qui sont libérés, qui sont heureux, qui sont en train de partager l'amour de Dieu. Et plus récemment, quand nous étions à la Convention mondiale à Accra, nous avons mieux compris qu'au fait, c'est beaucoup plus en Afrique même que la scène se déroule. Donc c'est pour nous dire que si vous êtes ici pour la première fois, vous êtes au bon moment, au bon endroit, parce que Dieu va se révéler pour vous et votre destinée va changer. En tout cas pour moi, ma destinée a changé quand j'ai rejoint la communauté. Grâce à la communauté, nous avons mieux compris et nous comprenons mieux l'évangile et nous comprenons mieux comment nous devons avoir cette passion des âmes, comme Christ a cette passion pour nous, qui s'est donné pour nous sauver. Donc c'est de la même manière que nous nous donnons en croyant dans nos réunions, où nous donnons de notre temps, de notre énergie, de notre argent pour que la communauté puisse aller de l'avant. Alors nos missions, justement, c'est d'atteindre tous les hommes partout dans le monde entier. C'est d'amener et ramener les hommes à Dieu et de ramener les croyants au baptême dans le Saint-Esprit. Nous voulons faire des disciples pour aller gagner des nations. Donc nous devons être équipés. Et l'équipement que nous avons, c'est l'équipement que le Saint-Esprit nous donne. Donc, nous rassemblons selon divers chapitres. Ce sont des regroupements que vous avez, des démembrements de la communauté dans divers hôtels, dans divers restaurants, dans la ville de Lomé et partout à l'intérieur. Donc, nous avons aussi un bras armé, la section des dames, qui œuvre et qui soutient aussi la communauté à travers des dons, à travers des visites dans les prisons, dans les hôpitaux, où elles font des bonnes œuvres pour appuyer les hommes d'affaires du plein évangile. Donc, je vais vous laisser sur ce point et on en reparlera un peu plus vers la soirée. Merci encore de votre attention. Merci beaucoup, mon frère Flavien. Alors, sans passer par quatre chemins, comme à l'accoutumée dans nos réunions, nous témoignons. Certains frères ont vu la main de Dieu dans leur vie témoigner. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir? Le premier, c'est le pasteur Christian Cuisson. Il va venir nous dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Ça me ferait beaucoup plaisir.
de l'entendre. Alors, bienvenue. Merci, la Ludovic. Alléluia. Amen. Je suis pasteur Christian David Kouessan à Kakotoulan. J'ai changé de position. Chaque fois quand je viens à la communauté, je me cloue derrière les caméras, les appareils photo. Mais ce soir, le Seigneur a voulu que je change de position. Et j'ai un apprenti là. Alléluia. Je vais faire un petit témoignage. Ok. On m'a donné 5 minutes. Alors qu'ils savent très bien que nous les pasteurs nous parlons beaucoup. Alléluia. Et je suis pasteur, président fondateur du mouvement Évangile et Développement, promoteur de la chaîne YouTube AN228 qui a plus de 11 000 abonnés. Et je suis à Lomé ici, je suis dans le chapitre ALC Concorde, dont le président Frédéric Abalo. Je vais donner un coup de témoignage sur ce qui s'est passé dans ma vie à la Convention mondiale à Accra. Cette convention mondiale qui s'est tenue à Accra la fois dernière était spécialement pour moi. Alléluia. Cette convention a brisé une limitation de plus de 20 ans sur ma vie. Je suis né dans une famille, comme nous le savons tous, animiste. Et c'est autour de mes 25 ans que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Mais avant mes 25 ans, c'était dans les années 2001-2002, où tous les jeunes voulaient quitter le Togo pour aller à l'extérieur. Je faisais partie de ces jeunes-là. J'avais aidé beaucoup de personnes à quitter le pays pour aller en Occident. Mais moi, quand mon tour est arrivé, on a tout fait. Je n'ai pas pu avoir le visa. Je ne comprenais rien. Alors que toutes les conditions étaient réunies. Et depuis 2001, laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne peux pas quitter Lomé et aller peut-être au Ghana et faire plus de 48 heures. Laissez-moi vous expliquer. Si je vais au Ghana maintenant, le vendredi, selon un programme, et je devais revenir le dimanche, c'est que samedi dans la soirée, vous allez me retrouver à Lomé. Quelque chose me pousse à quitter le pays pour rentrer au Bekaï. On était au Nigeria. On était au Nigeria. On a quitté ici la nuit autour de 23 heures. On est arrivé le matin au Nigeria. On a fait ce qu'on devait faire. On devait faire au moins 3 jours là-bas. Mais je vous dis, autour de 19 heures, j'étais avec un ami pasteur. Il m'a appelé, il a dit, pasteur Christian, on rentre au pays. Comment demain on doit aller au marché à la Bamaquette pour acheter les matériels pour l'évangélisation? Il dit non, on doit rentrer. Nous avons quitté, nous sommes arrivés à Maïtou et nous avons loué une BMW depuis Lagos pour Lomé. C'est quand nous sommes arrivés à Lomé au petit matin qu'il m'a demandé, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Même moi je comprenais. Parce que je ne peux pas faire plus de 48 heures à l'extérieur du Togo. En 2010, je devais aller à Ouagadougou pour rencontrer l'homme de Dieu, Papa Mamadou Karambiri. Je suis allé à Saint-Cassé, j'ai fait une semaine chez un ami là-bas. J'étais tranquille. J'ai fait une semaine à Saint-Cassé tranquillement. Mais le samedi, quand j'ai quitté Saint-Cassé pour Ouagadougou, je suis allé le matin à Israël Bethel pour adorer avec les frères là-bas. L'après-midi, autour de 16 heures, j'ai pris mes clics et mes claques. Et je suis revenu à Saint-Cassé pour faire au moins 2 semaines là-bas. Wow, c'est sérieux. J'étais au Ghana ici, c'est pas à Accra, à Adam ici, pour un truc de 3 jours. Mais le deuxième jour, on était obligé de retourner à Lomé. Et depuis plus de 20 ans, je ne peux pas faire plus de 48 heures à l'extérieur de ce triangle-là qui est le Togo. Seulement, c'était une limitation qui faisait en sorte que je ne pouvais pas voyager pour aller loin à l'extérieur de ce pays. Et c'est une limitation de la maison de mon père. Il y a des témoins dans la salle ici qui connaissent mes frères qui sont en Europe plus de 20 ans, qui sont passés par ma main pour aller en Europe, moi-même je suis resté. Il y a des témoins oculaires ici. Mais la fois dernière, Dieu a
lever sa main. Oui. Dieu a passé par la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile pour m'amener au Ghana plus de 72 heures. Oui. Ah, là, là. La veille du départ, je ne savais pas que nous devons avoir quelques documents là, canet, tout ça là, je ne savais pas ça. Quand je suis arrivé chez le secrétaire, M. Maouli, on m'a dit ça, on m'a dit de contacter le frère Gaston, ce que j'ai fait. Et je lui ai envoyé les informations avec deux autres personnes. Deux heures de temps, bien trois heures de temps après, le frère Gaston m'envoie des photos des canets de vaccination. Il m'a dit, ils sont prêts. Je vois les photos, je ne vois pas mon canet dedans. Il a dit, frère Gaston, c'est moi qui t'ai envoyé les trucs, mais je ne vois pas pour moi. Il dit, quoi? Qu'il va vérifier. Il a vérifié, il est témoin là-bas, il est là-bas. Vous pouvez témoigner, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais moi, je savais qu'il y a quelque chose qui veut encore m'empêcher d'aller au Ghana. Mais Dieu a levé sa main. Je suis allé au Ghana. J'ai fait plus de 72 heures. Et je sais qu'à partir de maintenant, cette limitation a été. La communauté des hommes d'affaires de plein évangile et spécialement son président, docteur Kinou Pouletro, par qui Dieu a passé pour briser cette limitation. Sur ce, je dépose le micro. Amen. Et je pense que l'année prochaine, nous serons ensemble en Amérique latine. Amen. 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 Alors, pour un cours. Deuxième témoin, nous donnons le témoin à monsieur Benjamin Niari. Merci beaucoup, applaudissons pour mon nom c'est Niari Benjamin. Vraiment, je suis le Benjamin du chapitre AEC Concorde. C'est peut-être pour ça que le vice-président a un peu oublié mon nom. Je suis agroéconomiste de formation. Je suis le responsable suivi évaluation à l'ONG Wadel. Donc ici au chapitre, quand bien même que je suis nouveau, je suis chargé quand même de l'accueil pour le moment. Donc, ce soir je m'en vais vous présenter mon témoignage, quelque chose qui s'est passé sur moi il y a de cela quelques semaines. Il s'agit d'un vol de ma moto, la moto de service, qui s'est passé le 19 août. On était allé à une activité et j'avais garé la moto. Et après, j'ai cherché, 16 heures qu'on partait, j'ai pas trouvé. C'était vraiment. Les gens qui ont déjà une fois perdu leur moto ici. Ça, c'est ce que je veux dire. J'étais vraiment, vraiment déprimé. Je n'avais pas dormi toute la nuit, mais j'ai prié. J'ai prié avec des frères aussi. Et le dimanche matin, ça s'est produit le samedi. Donc le dimanche matin, un frère m'a appelé, il m'a dit qu'on va retrouver la moto. Au nom de Jésus. Ce moment-là, j'étais un peu désespéré quand même, hein, parce que la probabilité de retrouver une moto volée à Lomé, c'est faible. Et c'est très faible. Et le lundi, je suis allé faire la déclaration. La déclaration n'était pas encore finie parce qu'il faut suivre un processus. Et le soir, j'étais au bureau en train de travailler avec mon directeur et on a reçu un appel de la part du police de Boto Zévé. C'est à 104 au moins kilomètres de Lomé. La police a dit qu'il a retrouvé ma moto. J'étais pas convaincu hein, parce que j'étais vraiment sur le choc. J'ai dit. Déjà, la déclaration n'a pas abouti. Parce qu'il faut suivre le processus de la police et tout. Il n'y a pas moyen que la police de Lomé n'a pas communiqué. À part les annonces qu'on a fait sur les réseaux sociaux, on n'a pas communiqué sur le vol de la moto. Le lendemain,
je suis allé à Goto pour vérifier. Et quand le policier m'a vu, il a dit vraiment, ton Dieu est grand. Oui, ton Dieu est grand. Parce que le monsieur qui a volé la moto avait dit qu'il allait vendre. Juste à cause de 50 000 francs, il n'a pas vendu la moto. Oui, 50 000, il voulait le refourguer à 250 000. La personne a dit non, il a 200 000. Il dit bon, si c'est comme ça, ça n'a qu'à rester. La personne même a témoigné, la personne qui a volé la moto a dit que le gars là, son Dieu est vivant. Sinon, il allait refourguer ça vite fait. Mais que son Dieu est vivant. Donc ce soir, je voulais remercier ce Dieu-là, ce Dieu que nous servons tous, ce Dieu qui est un Dieu de toutes possibilités. Je crois que moi, ma maison, nous louerons toujours les Alléluia. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Et nous allons passer à une autre étape de notre réunion. Je vais vous présenter quelqu'un ce soir. Il est l'un de mes supérieurs. Il m'aime bien, il est plus gros que moi. Et c'est lui mon président. Président Frédéric, à la chair. Merci beaucoup. Amen. Effectivement, il n'a pas menti et je suis plus concurrent qu'avant. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Et je vais dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de passer ce temps en sa présence. Et merci au Bureau national et à sa tête, le président national, le docteur Konotion Chipi. Merci pour l'opportunité de prier ensemble ce soir. Et je voudrais vous prier, s'il vous plaît, on se tient debout, on va adorer. Nous élèverons ton nom plus haut, nous élèverons ton nom, nous élèverons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux, nous élevons ton nom, nous élevons. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux. Oui, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux. Je dis comme une bannière.
bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Oui, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Quelqu'un commence par parler maintenant. Priez en esprit. Priez en esprit maintenant. Rends grâce au Seigneur. Priez en esprit maintenant. Le glorieux Saint-Esprit est au milieu de nous. Le glorieux Saint-Esprit est là maintenant. Oh, ma soukare de rebrocha karamama. Rebrocare de rebrocha 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 de rebrocha. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, rendons la mochine de la mochine. Alléluia, de la mochine, de la mochine, de la mochine. Et cabrosso pour la mochine de la mochine de la maman. Reçois la gloire, ô Jésus. Reçois l'honneur, ô Seigneur. Reçois la gloire, ô Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Oui, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Allez, brohinde le bocha, le brohinde le bababa. Reçois la gloire au Seigneur. Fortifie quelqu'un ce soir. Fortifie un disciple ce soir. Fortifie un professionnel ce soir. Fortifie quelqu'un ce soir. Fortifie quelqu'un ce soir. Fortifie un président de chapitre ce soir. Fortifie un membre de chapitre ce soir. Fortifie un ouvrier ce soir. Nous avons besoin de toi, ô Père. Nous avons besoin de ton secours, ô Père. Nous avons besoin de ta force pour progresser. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. C'est pourquoi nous les élevons de voix vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Pour te dire oui, Seigneur. Nous sommes là, mais nous avons besoin de ton soutien. Nous sommes là, mais nous avons besoin de ton secours. Nous sommes là, mais nous avons besoin d'un coup de pouce pour pouvoir avancer, marcher, fonctionner, parce que sans toi, effectivement, nous ne pourrons rien faire, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Oh, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous laissons à toi. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Prends le contrôle maintenant. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Ton glorieux nom, nous bénissons ton nom. Oh Seigneur de gloire, merci. Merci pour toi, pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à ce Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir dans la sainte présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Mais avant de prier, nous allons vous dire merci d'être là. Merci d'être venu. Parce que le Seigneur fera quelque chose de grand. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de fortifier, d'encourager, de nous encourager en fait à continuer la marche ce soir. La marche semble un peu pesante. Il y a un peu comme s'il y a de l'assoupissement. C'est ce que j'ai reçu. Mais le Seigneur veut dire à quelqu'un ce soir qu'il est toujours dans la barque. De se fortifier, comme il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Mon frère bien-aimé, mon collègue, je ne sais pas comment je vais le dire, président de chapitre, je vais dire fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Et
Ce soir, nous allons prier par rapport à ce sujet principal. Et je vais vous dire que dans l'Ancien Testament, nous avons vu des gens qui ont commencé la marche avec le Seigneur. Mais à un moment donné, ils avaient besoin d'être fortifiés pour continuer la marche. Et ça arrive, ça peut arriver dans la vie de n'importe quel chrétien, de n'importe quel disciple du Seigneur. Et c'est pourquoi ce soir, je veux te dire, fortifie-toi. N'abandonne pas. Continue la marche. Continue la course. Ne laisse pas tomber. Amen. Donc, nous avons choisi un thème pour la prière. C'est le courage ou bien conquérant pacifique. Prends courage. C'est le thème que nous avons choisi pour la soirée. Vous savez, chaque chrétien est un conquérant. Il est conquérant parce qu'il a un mandat divin, un mandat suprême pour gagner son monde à Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, nous avons vu comment le Seigneur a donné cette consigne à Adam et Ève qui devaient contrôler et dominer sur toute la terre. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez ce que Dieu les a dit. Il a prononcé d'ailleurs quand Dieu dit, Dieu les bénit et dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Alléluia. Donc Adam et Ève devaient, à partir du jardin d'Éden, étendre leur domination sur toute la terre. Mais ce mandat qui leur a été donné à signer n'a pas abouti parce que, à un moment donné, l'ennemi a fait intrusion et le plan a été avorté. Nous verrons plus tard une figure de proue, surtout dans l'Ancien Testament, Moïse, qui a été également mandaté par le Seigneur d'assumer ou d'accomplir cette tâche de conquête. Déjà à partir de Genèse ou bien à partir d'Exode chapitre 4, nous voyons que le peuple de Dieu était déjà assujetti en Égypte, dominé en Égypte. Mais voilà que Dieu suscite un certain Moïse pour délivrer ce peuple, son peuple qui était assujetti en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu fait? Alors que Moïse avait déjà échoué une fois par lui-même, Dieu le rencontre des années plus tard devant le buisson ardent. Et c'est là que Dieu, la Bible ne nous dit pas combien de temps Moïse a passé devant ce buisson, cette buisson ardent, mais nous constatons que Dieu a transformé littéralement la vie de Moïse dans cette rencontre surnaturelle avec lui. Et Moïse, en quittant le buisson, est devenu une autre personne. Et c'est par là que Dieu le mandate maintenant. Il dit, va. Va, et c'est toi qui vas délivrer mon peuple qui est assujetti par Pharaon en Égypte. C'est alors que Moïse est allé et c'est vrai, dans la conquête, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Et d'ailleurs, quand vous lisez Exode chapitre 4, 5 et 6, vous verrez que Moïse avait toutes les raisons à un moment donné d'abandonner. Parce que Moïse et Pharaon résistaient à tout ce que Moïse faisait par la main du Seigneur, par la main de Dieu. Sauf que Dieu lui a dit avant d'aller, et c'est ce qui est très important, Dieu dit à Moïse, je serai avec ta bouche et je te dirai tout ce que tu auras à dire. Ça c'est dans Exode chapitre 4, verset 12. Il dit, je suis ton Dieu, je serai avec ta bouche, tout ce que tu auras à dire, c'est moi qui te permettra de dire cela. Et alors, Moïse a pu passer un temps dans la confrontation avec les puissances d'Égypte. Il y a eu des difficultés, des résistances. Mais finalement, Moïse a triomphé. Et après Moïse, vient Josué, à qui on dit, regarde bien tout ce que j'ai pu faire avec Moïse. Maintenant que Moïse, ton serviteur, est mort, c'est toi qui prends la relève. Mais toi, fortifie-toi et prends courage.
fortifie-toi et prends bon courage. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est vrai que tu as commencé cette œuvre, tu as commencé cette marche avec le Seigneur. Mais à un moment donné, tu sens comme si tu es oppressé, comme si ça n'avance pas, comme si les défis, les objectifs ne sont pas atteints. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas toi-même qui t'es appelé, c'est quelqu'un qui t'a appelé. Et celui qui t'a appelé te dit ce soir, fortifie-toi et prends bon courage. Alléluia. Prends bon courage. N'abandonne surtout pas. Prends bon courage. Et c'est comme ça, Josué également s'est appuyé sur ce que le Seigneur lui a dit et a fait une rétrospection et a regardé également comment son leader, son mentor Moïse a marché. Et il a pu continuer la marche. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous voyons également la même figure. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu avait à un moment donné besoin du courage, du soutien pour pouvoir continuer la marche. Et c'est de cela que je vais parler ce soir. Nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes, de nous dire, je ne me suis pas appelé moi-même, ce n'est pas moi qui me suis assigné ce mandat pour gagner, pour conquérir le Togo, pour conquérir les professionnels dans le secteur d'activité. Alors là, je m'appuie sur le Seigneur, tout comme les anciens également se sont appuyés sur le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas oublier les anciens sentiers qui ont fait la victoire de nos pères, de ne pas les oublier, mais de s'appuyer et de continuer la marche. Alors vous voyez, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, on a vu déjà que dans le livre de Luc, chapitre 4, Jésus était parti au Jourdain où il a été baptisé, le Saint-Esprit a appuyé, confirmé, le ciel également, oui, le ciel était ouvert, le Père a parlé, a confirmé tout, et il est parti au désert où il a communié avec son Père et il est revenu. Il a commencé à continuer la marche. Et dans cette marche, nous voyons que sa renommée était grande. La Bible nous dit que, de retour du désert, la renommée du Seigneur Jésus-Christ était grande et il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de signes avec lui, de prodiges, tout cela. Il a choisi même son équipe avec laquelle il fonctionnait, tout cela. Mais à un moment donné également, Jésus également devait se confronter à des réalités. Gethsémané l'attendait. Alléluia. Gethsémané l'attendait. Et là-bas également, il pouvait recevoir lui aussi un réconfort, fortifie-toi. Alléluia. La marche n'est pas facile, bien-aimé. À moins qu'on le comprenne, ou on la comprenne mal. La marche n'est pas facile. Mais ce qui est important, comme on dit que si le CEP, la relation entre le serment et le CEP, c'est-à-dire si le serment ne demeure pas au CEP, il ne peut pas produire de fruits. De la même manière, si nous ne nous connectons pas à la source, le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. On va s'épuiser inutilement. Alléluia. C'est pour cela, Jésus a été fortifié lui aussi. Également, quand vous prenez après Jésus, d'ailleurs l'Église n'était pas née avec Jésus, c'est au jour de la Pentecôte que l'Église même est née, mais ceux qui sont nés de l'Église et qui ont continué la marche, ils avaient à un moment donné également besoin du même réconfort pour continuer la marche. L'apôtre Paul pourrait dire de prier pour lui. Et ça, c'est ce qu'il a dit. Et je peux, comment dire, 1 Thessaloniciens, on peut lire rapidement un ou deux passages. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Qui peut nous. Prier sans cesse. Non, comment. Pardon? 1 Thessaloniciens 5:17, prier sans cesse. Allez. 5:17. S'il vous plaît. Ok. L'apôtre Paul, dans sa marche, effectivement. De l'année du Nouveau Testament. Allô, oui, ok, merci beaucoup. Alléluia.
le Nouveau Testament, on peut aller, il n'y a pas de souci. Amen. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, parce que je suis en train de parler du courage ici, de la mentalité d'un conquérant, de la mentalité d'un vainqueur, de la mentalité de quelqu'un qui conquiert et qui pacifie. C'est-à-dire, nous sommes appelés, la Bible nous dit d'ailleurs que nous sommes appelés à instaurer le royaume de Dieu là où nos, en fait, là où nos influences, là où nous résidons, nous devons étendre le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes des artisans ou nous sommes des ambassadeurs de la paix pour véhiculer la mentalité, non seulement la mentalité, mais également le caractère, l'esprit de conquérant partout où nous sommes. C'est pour cela que nous sommes appelés, comme je le dis, déjà dans Colossiens chapitre 4, verset 3, qu'est-ce qui est dit? Colossiens chapitre 4, verset 3, quelqu'un pour nous lire là, rapidement, Colossiens 4, verset 3. Colossiens 4, 3, oui. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Alléluia. Même dans les chaînes, nous voyons l'apôtre Paul qui a besoin que l'Église prie pour lui pour continuer la marche, pour que la parole qui doit être véhiculée, cette parole soit animée, soit empreinte de puissance, soit empreinte d'onction, soit empreinte de fait, pour que la parole qui doit être annoncée puisse être une parole qui perce, qui touche, qui transforme. Alléluia. Et c'est ça la mentalité. Nous allons rencontrer des difficultés, comme lui par exemple était dans les chaînes. Et il n'a pas eu à se plaindre de ses chaînes, mais il demande plutôt à l'Église de prier pour lui, afin qu'il continue par annoncer cette parole. Bien aimé, ce que je voudrais dire ce soir, pour nous les professionnels, avant de rentrer dans la prière, c'est que notre monde a changé. Et notre monde évolue en perpétuellement. Le système change. Les données changent. Même aujourd'hui, hier, des mœurs qui n'ont pas été validées sont validées aujourd'hui. Beaucoup de choses changent. Et c'est pour cela que le chrétien que nous sommes, nous devons rester constamment, comme il est demandé à Josué, comme Josué a été encouragé, il est demandé, nous devons rester constamment dans la présence du Seigneur. Nous devons rester constamment dans la prière. Nous devons rester constamment dans un état de conquérant qui n'abandonne jamais. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas abandonner ni reculer. Quand nous prenons nos chapitres aujourd'hui, du début de janvier jusqu'à présent, si on peut s'arrêter aujourd'hui et faire un petit bilan, quel impact nous avons pu avoir par rapport à nos objectifs de départ? Quel est l'impact? Quelle est l'influence? Tout porte à croire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de reculer. Nous sommes en train d'abandonner. Parce que les choses deviennent un peu difficiles. Le zèle du départ s'émousse. Nous ne sommes plus actifs. Le feu qui nous avait engendré, le feu qui nous avait, qui nous poussait à avancer, le feu s'éteint doucement, doucement. C'est pourquoi ce soir, tu dois ranimer ce feu. Nous devons ranimer ce feu. Nous devons nous lever comme un seul homme et dire, je n'abandonne jamais. Je ne vais jamais abandonner. Je dois avancer. Amen. Moïse n'a pas abandonné. Josué n'a pas abandonné. Christ n'a pas abandonné. Nous voyons l'apôtre Paul, même dans les chaînes, qui n'a pas abandonné. Il a continué la marche jusqu'à la fin. Et le voilà. Et à l'oreille de sa vie, ou bien à l'oreille de sa mort, qui dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, nous avons pu faire ce que Paul a fait? Non. Même les objectifs que nous nous sommes assignés nous-mêmes, est-ce que nous les avons déjà atteints? Non. Alors que nous sommes en train de reculer, nous sommes en train de battre de l'aile. C'est pourquoi le Seigneur veut nous dire ce soir, lève-toi comme un conquérant vainqueur. Lève-toi comme un conquérant vainqueur.
Parce que ta victoire n'est pas dans tes efforts. Ta victoire t'a été acquise à la croix de Golgotha. Et toi, tu marches dans la victoire de Christ. N'abandonne jamais. Il y a encore dans dehors des hommes qui ont besoin de l'évangile. Des hommes qui ont besoin de Christ. Devant, autour de nous, les professionnels, il y a encore des gens qui ont besoin de l'évangile de Christ. Mais nous sommes en train de faiblir. Ce soir, le Seigneur veut te dire, n'abandonne pas, lève-toi, tu es un conquérant. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un conquérant. N'abandonne pas. Ne donne pas des excuses. L'apôtre Paul pouvait donner des excuses. L'apôtre Paul pouvait donner des... Pierre pouvait donner des excuses. Ils ont été maltraités dans les prisons un peu partout. Alléluia. On peut donner... Il y a toutes les raisons pour qu'on donne des excuses. Regardez le fonctionnement de nos chapitres. Interrogeons-nous même par rapport aux ailes de départ. Si nous sommes encore, nous avons encore ce zèle pour la mission de Christ. Nous avons abandonné. Nous sommes en train d'abandonner presque. Nous tenons des réunions stériles, sans vie. Alléluia. Nous tenons des réunions qui n'ont plus de vie. Il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de passion. Nous sommes en train d'abandonner. Nous sommes en train de trouver des raisons qui sont valables humainement pour abandonner. Mais il faut se rappeler d'une chose. Comme il a dit à Moïse, je serai avec toi. Alléluia. Et Jésus lui-même a repris la même chose. Matthieu 28, verset 19 à 20. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas abandonnés. Ce n'est pas à nous d'abandonner. Alléluia. Ce n'est pas à nous d'abandonner. Nous devons changer de mentalité. Bien-aimés, les rencontres publiques sont rares aujourd'hui. Bien, vrai ou faux? Les rencontres publiques sont rares. Les rencontres publiques sont rares. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de zèle, il n'y a plus d'onction. Il n'y a plus de prodiges, de miracles au milieu de nous. Nos rencontres même sont un peu fades. Il n'y a pas de signes. Le Saint-Esprit veut que tu ranimes, que je ranime cette flamme. Ce soir, nous devons nous lever comme un seul homme. Et dire, c'en est trop, nous n'allons pas abandonner, la marche continue. Amen. Alléluia. La marche continue. Bien aimé, la marche continue. La récompense, ce n'est pas maintenant. C'est quand nous aurons tout terminé. Ce n'est pas maintenant. La récompense nous attend. Une grande récompense nous attend. Bien aimé, tu as bien commencé. Nous avons bien commencé. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Alléluia. Amen. Depuis janvier jusqu'à présent, tu as fermé ta bouche. Depuis janvier jusqu'à présent, tu as fermé la bouche. Personne n'a entendu l'évangile sorti de ta bouche. Le témoignage de Christ, tu l'as gardé. Tu ne témoignes pas. Je ne témoigne pas. Non, non. Femme, tu dois témoigner. Monsieur, tu dois témoigner. Nous devons témoigner. Nous devons gagner le monde. Nous devons gagner le Togo. Nous devons gagner Lomé. Alléluia. Nous venons d'une grande convention d'Accra. Alléluia. Nous avons été impactés par cette merveilleuse convention mondiale. C'est une merveilleuse convention mondiale. Mais nous sommes venus et nous sommes restés les bras croisés. Nous sommes restés les bras croisés. Si Moïse avait fait ça, il n'y aura pas de délivrance. Il n'y aura pas de victoire. Cana serait encore resté comme dans l'histoire. Ce soir, le Seigneur nous interpelle. Ce soir, le Seigneur veut que quelqu'un se lève de son sommeil. Ce soir, le Seigneur veut qu'un professionnel prenne un engagement pour recommencer là où il s'est arrêté. Car le chemin, la course est encore devant. N'abandonne jamais. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Bien aimé, le monde n'ira pas bien. Soyons sûrs. Le monde n'ira pas bien. Mais le Seigneur, lui, il a dit, quel que soit le changement, moi je demeure avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela, je vais vous inviter, ou je vais nous inviter, à nous lever sur nos pieds, maintenant.
je vais nous inviter à nous lever sur le pied levé. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon frère bien-aimé, avant de rentrer dans la prière, avant de commencer la prière, je voudrais t'inviter, toi qui n'as pas encore fait l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, de t'approcher rapidement, de faire la paix rapidement avec ton Créateur. Fais rapidement la paix avec ton Créateur. Vous voyez, je suis en train de parler des gens qui ont commencé et qui ont besoin de redoubler d'efforts, qui ont besoin du soutien de l'Éternel. Mais toi, tu n'as même pas encore commencé, tu n'es même pas encore rentré dans la bergerie. C'est pour toi que je parle maintenant. Avance-toi si tu es là. Tu n'as pas encore commencé la marche avec le Seigneur. Le Seigneur t'appelle maintenant. Tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Si tu as envie, tu sens cette voix intérieure qui te dit, laisse-toi, abandonne tout pour le Seigneur, viens maintenant devant. Viens maintenant devant, s'il te plaît. Tu as besoin de te réconcilier avec ton Créateur, viens maintenant devant. Si tu es au milieu de nous, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, c'est le moment, viens devant maintenant. Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Ce soir, je m'abandonne à toi. Je suis faible. Viens à mon secours. Fortifie-moi. Donne-moi la force. Donne-moi le courage pour continuer la marche. Je t'appelle ce soir. Aie pitié de moi. Viens à mon secours. Aide-moi à me relever. Car je suis tombé. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, c'est toi qui relèves celui qui est tombé. Relève-moi ce soir. Aide-moi ce soir à continuer la course, à continuer la marche avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, prie maintenant. Implore la faveur du Seigneur. Implore la grâce du Seigneur. Implore la faveur du Seigneur. Implore la grâce du Seigneur ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours. Parle maintenant. Ne t'éteins pas. Le Seigneur, par son esprit, va encore ranimer sa flamme en toi. Va encore ranimer sa flamme en nous. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, viens à nos secours. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton secours. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Alléluia. Un membre efficace, un membre qui est debout, c'est avant tout une famille qui est debout. Alléluia. Si tu n'es pas debout dans ta famille, tu ne peux pas l'être à la communauté. C'est impossible. Si tu es dormant, si tu es en sommeil dans ta famille, tu ne peux pas l'être à la communauté. Impossible. Alléluia. Le réveil commence chez soi. Le réveil commence à la maison. Alléluia. C'est pourquoi nous allons implorer la grâce du Seigneur par rapport à la famille. Qu'il y ait un véritable réveil dans les cellules familiales. Alléluia. Dans chaque maison. Que la flamme du Saint-Esprit soit ranimée ce soir. Dans chaque maison. Que la flamme du Saint-Esprit soit ranimée ce soir. Alors que nous devons prier, nous avons laissé libre cours à la télévision, au Novelas et à d'autres formes de distraction. C'est assoupi sous la télévision, en train de se reposer, en train de dormir, mais sans se connecter avec la source qui lui donne la force de continuer la marche. Ce soir, les familles seront animées. Alléluia. Un feu va brûler. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Répétez après moi avec force. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Ce soir. Ranime. La flamme. De ton esprit. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans mes enfants. Chez mon épouse. Chez ma femme. Mon mari. Qu'un feu soit ranimé dans ma famille.
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu crois à ce que tu déclares? Si tu crois, répète après moi, encore avec conviction. Parce que ce soir, il faut retourner à la maison avec une nouvelle décision, avec une nouvelle perspective, avec un nouveau zèle. Les choses doivent changer. Si la communauté ne marche pas, ça veut dire que les familles ne marchent pas. Ça veut dire que les familles sont en train de dormir. Si nous n'avons pas, si le zèle, si nous n'avons pas des signes dans la communauté, dans nos chapitres, ça veut dire que dans nos maisons, ça ne va pas. Mais ce soir, déclare avec conviction, avec foi ce soir. Le ciel est en train d'attendre ta voix. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, viens au secours de ma famille, viens au secours de ma maison. Ça ne va pas, ça ne va pas. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de soi. Que ton feu soit ranimé dans nos maisons. Que ton feu, la flamme de l'Esprit Saint, soit ranimée dans nos familles pour qu'il y ait un nouveau départ. Un nouveau départ pour une conquête victorieuse dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prions maintenant. Prions maintenant par rapport à la famille. Prie maintenant par rapport à la famille. Si la famille dort, on ne peut pas faire une conquête victorieuse. Si la famille échoue, on ne peut pas avancer. C'est pourquoi maintenant, nous allons implorer. Seigneur, maintenant, Seigneur, nous prions. Toutes les familles qui sont sommeillées, toutes les familles qui ont abandonné, abandonné la prière, abandonné, il n'y a plus de vie dans nos familles. Nous t'implorons ce soir, afin que tu ranimes la flamme de la prière, le sel pour ta maison, dans nos familles. Au nom de Jésus, que les enfants partent maintenant à la prière dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia, 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 alléluia. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, afin que la flamme du Saint-Esprit, afin que la vie de l'Esprit, afin que la vie de l'Esprit reprenne forme dans ta maison, reprenne forme dans ta vie. Il y a une prière sans cesse, il y a une prière avec celle. Tu as tout abandonné aujourd'hui. Tu es faible aujourd'hui. Tu as abandonné aujourd'hui. Tu ne peux plus prier aujourd'hui ni là seulement. Non, la flamme, le zèle doit reprendre. La flamme, le courage doit être ravivé. C'est pourquoi maintenant, cet esprit nous implorons. Viens nous viens à notre aide. Viens à notre aide, cet esprit. Viens à notre aide, cet esprit. Viens à notre aide, cet esprit. Alléluia. 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 Bien-aimé, si toi tu te tais, si toi tu te tais, beaucoup de personnes vont périr. Parce qu'ils ont besoin de ton témoignage. Ils ont besoin de ton zèle. Si tu te tais, il y a beaucoup, chaque jour, qui vont en enfer. Sans avoir connu le Seigneur, tu n'as pas le droit de te taire. Je n'ai pas le droit de me taire. Et dans ta maison, regarde dans ta maison, regardons dans nos maisons. Est-ce qu'il y a une vie divine, une vie de prière, une vie de consécration dans nos maisons? Nous avons faibli, mais ce soir, le Saint-Esprit te fortifie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te fortifie au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier par rapport à nos chapitres. Bien-aimé, si une maison est debout, un chapitre sera debout. Amen. Alléluia. S'il y a une vie à la maison, c'est cette vie que nous allons transporter dans le chapitre. Mais s'il y a la mort spirituelle, c'est cette mort spirituelle que nous allons transporter dans le chapitre. Je prie ce soir que le Saint-Esprit ravive chaque famille, chaque maison, afin qu'il y ait une reprise, une vie spirituelle, une vie de prière dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons nous pencher sur nos chapitres. Nous lisons toujours dans les documents combien le Saint-Esprit opérait des miracles, des signes, des prodiges dans les chapitres, dans les temps anciens. Ça ne doit pas être une histoire à raconter. Ça doit être un vécu quotidien et permanent puisque l'Esprit de qui, le Saint-Esprit hier est le même aujourd'hui. Le problème, c'est notre côté. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est nous-mêmes. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, nous allons lever nos voix. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Regarde mon chapitre.
Regarde mon chapitre. La vie de mon chapitre. Je t'appelle ce soir afin que tu ranimes la vie de ton esprit dans mon chapitre. Afin que la flamme de l'esprit soit ranimée dans mon chapitre. Dans mon chapitre. Que mon chapitre reprenne vie. Que le chapitre reprenne vie. Que les chapitres reprennent vie. Dans le nom de Jésus. Commence par proclamer maintenant, parle maintenant, prie maintenant, par rapport au chapitre, par rapport à ton chapitre, prie maintenant, la flamme va encore reprendre, la flamme de l'esprit, les signes, des miracles, des prodiges vont encore reprendre dans ton chapitre. Alléluia. Masoka bloqué les mélanges de mon chéna, prie maintenant, prie, s'il te plaît, prie, ne t'étais pas, prie maintenant. Mais maintenant, nous avons besoin maintenant de marquer une pause et de rechercher la face du Seigneur par rapport à la vie de nos chapitres. C'est très important. Prie maintenant par rapport à ton chapitre. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant. Alléluia. Prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi les gens ne viennent pas à leur réunion? Pourquoi les gens ne viennent pas à nos réunions? Le Saint-Esprit a besoin de ranimer la flamme. Alléluia. La flamme doit être ranimée. Ranimée. Nous dormons. Nous vivons maintenant dans la chair. Tout est charnel. Il n'y a plus de consécration. Il y a des péchés mignons, des péchés cachés. Il n'y a plus une véritable consécration. Le Saint-Esprit doit agir. Lève ta voix encore. Prie maintenant encore. Prie maintenant par rapport à ta vie et la relation de ton chapitre. Commence par déclarer, là où tu es faible, là où tu es tombé, commence par déclarer maintenant que le Saint-Esprit ranime la vie de ton chapitre au travers de toi, au travers de toi, au travers de ta vie. Le chapitre va reprendre vie au nom de Jésus. Déclare-le maintenant, prie maintenant, prie maintenant par rapport à ta vie de chapitre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous le trouvez dans Actes chapitre 4, verset 31. On dit, le lieu où ils étaient en train de prier trembla. Alléluia. Est-ce qu'on peut vivre cela aujourd'hui encore? Est-ce qu'on peut le vivre aujourd'hui? Le lieu où ils étaient trembla. Ils fussent tous remplis du Saint-Esprit. On peut le vivre encore. Le Saint-Esprit hier est le même aujourd'hui. Commence par prier maintenant en esprit, prie en esprit. Parle la langue à votre voix, parle la langue au nom de Jésus. La Bible dit celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Parle la langue pour t'édifier toi-même. Parle la langue pour édifier ton homme intérieur. Parlons à la pour nous édifier nous-mêmes. Au nom de Jésus. Alléluia. Seul le Saint-Esprit est capable de guérir nos chapitres. Est capable de raviver nos chapitres. Seul le Saint-Esprit. Le soir de leur Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 18, verset 19 déclare ceci. C'est la loi des deux. Et en préparant la prière, en me préparant dans la prière, le Seigneur m'a ramené à cela. Il faudrait que dans chaque chapitre, nous commençons par nous soutenir les uns les autres. La loi des deux. Si deux seulement, la Bible dit, si deux seulement s'accordent pour demander quelque chose à mon Père qui est dans le ciel, il obtiendra cela. Alléluia. Si deux s'accordent seulement. Alléluia. C'est important. On doit s'accorder. Les temps sont mauvais, on doit s'accorder. Si la Bible dit dans l'Ecclésiaste, si l'un fait, l'autre qui est debout va le relever. On doit s'accorder. La loi des deux. On doit s'accorder. Ce soir, je voudrais que tu tiennes la main de quelqu'un. On va prier maintenant. Tiens la main de quelqu'un, s'il te plaît. Tiens la main de quelqu'un. Commençons maintenant. Parlez à l'âme. Prions en esprit. Parlez à l'âme. Tenons la main de quelqu'un. Parlons à l'âme. Communiquons-nous les grâces. Communiquons-nous la flamme. Communiquons-nous l'homme.
onction, parlons en langue, au nom de Jésus. Les bras sont colombos, 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 en train de fortifier l'homme intérieur de quelqu'un à se ranimer. En me faisant, tu es en train de ranimer la vie de quelqu'un. Tu es en train de ranimer la flamme de quelqu'un. Tu es en train de ranimer la vie de quelqu'un. Tu es en train de ranimer. Cabron, 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 cabron. Rinda la mosso, cabré, rinda la mama. Rendo, kata la mama, chenda. Masso, cabré, kere, mama, rinda. Rendo, la mosso, cabré, kata. Rendo, la mosso, rinda la mama, rinda. Rendo, la mosso, kata la mama. Rendo, la mosso, rinda la mama. Oh, Saint-Esprit, merci. Oh, Saint-Esprit, merci. Oh, Saint-Esprit, merci.
choisi. Oh, cet esprit blessé. Oh, cet esprit choisi. Le feu, le feu, la flamme, la flamme. La flamme de Dieu. David a déclaré que le sel de ta maison est devant. Oui, que nouveau sel reprenne. Que nouvelle flamme reprenne. Que nouveau engagement reprenne. Parle à l'esprit, parle à l'esprit. Prie à l'âme, prie à l'âme, prie à l'âme. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Donnons encore amen, n'abandonnons pas. Prions maintenant au nom de Jésus. Quand nous sommes des professionnels ici, nos affaires doivent prospérer. Pour que nous puissions soutenir également l'œuvre du Seigneur. Notre affaire doit prospérer. Si la main de celui que tu as donné et continue maintenant, parle encore en langue. Parle en langue. Parle en langue pour communiquer une nouvelle grâce à tes affaires. Au nom de Jésus. Parle en langue pour communiquer une nouvelle grâce. Alléluia. Parle en esprit. Parle en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Ne t'arrête pas. Prie en esprit. Dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit va communiquer une nouvelle vie. Une nouvelle vie à tes affaires. Une nouvelle vie à tes affaires. Une nouvelle vie à tes affaires. Celui que tu tiens par la main. Celui-là te communique la grâce du Saint-Esprit. Et toi aussi tu lui communiques la grâce du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dans l'acte avant de verser notre cœur, ils ont prié à l'esprit. Ils ont parlé à l'âme. Ils ont parlé à l'âme. Ils ont reçu la force les uns des autres. Et ainsi le lion de cette femme-là. Et il a eu des prodiges et des miracles. Tu verras des prodiges dans tes affaires. Tu verras des prodiges dans ta vie. Tu verras des miracles dans ta vie. Tu verras des prodiges dans tes affaires. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons une convention nationale qui s'annonce. Nous avons une convention qui s'annonce. Bien aimé, nous avons une convention. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas une convention comme les autres. Ce serait encore le surnaturel. Ce serait encore le surnaturel qui va se faire. Mais cela a besoin maintenant que tu te reconnaisses. Cela veut dire que nous reconnaissions à la source. C'est pourquoi élevons nos voix maintenant encore. Élevons nos voix maintenant encore. Mais commençons par prier maintenant. Déclarons maintenant que la convention est un succès. Déclarons maintenant que la convention nationale à ta famille est un succès. Proclame-le, déclare-le, déclare-le, déclare-le dans le nom de Jésus-Christ. Déclare-le dans le nom de Jésus-Christ. Le succès d'une convention, ce n'est pas l'argent. Le succès d'une convention, c'est que les âmes soient encore davantage sauvées, fortifiées pour continuer la marche. C'est que le nom de Christ soit encore connu davantage. Alléluia. Déclare-le maintenant. Que cette convention nationale qui s'annonce, Christ sera encore connu. Christ sera encore annoncé. Christ sera encore témoigné. Déclare-le maintenant. À ta femme va connaître le réveil. À ta femme va connaître le réveil. Les professionnels d'avis, ta femme va connaître le réveil. Un réveil. Un renouveau. Un renouveau. La communauté sera encore connue.
par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agissant. Le Saint-Esprit agissant. Le Saint-Esprit agissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons faire une dernière prière. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons nous appuyer sur ce que Jésus lui-même nous a recommandé. Il a dit que la mention est grande et qu'il a oublié de prier pour que le maître de la mention envoie des ouvriers dans sa promotion. Alléluia. Jésus nous a demandé de prier pour que le maître de la mention envoie des ouvriers dans sa mention. Nous allons prier. Suscite de nouveaux ouvriers. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, suscite parmi nous de nouveaux ouvriers. Parmi nous de nouveaux ouvriers. Il y a des ouvriers encore qui sont tapis dans l'ombre. Révèle ces ouvriers. Révèle ces ouvriers que toi-même tu as préparés. Révèle-les, révèle-les. Où sont ces ouvriers? Où sont ces ouvriers? Ces ouvriers qui ont soif. Ces ouvriers qui sont déjà prêts. Le Seigneur nous demande une seule chose de prier pour que le maître les envoie. Lève ta voix maintenant et commence à prier. Seigneur, nous voulons voir ces ouvriers. Seigneur, je veux voir ces ouvriers. Dans mon chapitre, je veux voir de nouveaux ouvriers. Dans mon chapitre, je veux voir de nouveaux ouvriers. C'est les prêts pour la façon. Je veux voir ces ouvriers. Parle maintenant, prie maintenant. Où sont ces ouvriers? Jésus dit de prier. Il dit prier le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Prie maintenant, s'il te plaît, prie maintenant. Tu as besoin de nouveaux ouvriers dans ton chapitre. Tu as besoin de nouveaux ouvriers. Mon frère, mon bien-aimé, tu en as besoin. Tu en as besoin de vrais ouvriers. Des ouvriers déjà prêts pour la moisson. Tu en as besoin. Prie maintenant. Demande simplement. Demande qu'il envoie des ouvriers. La communauté a besoin de nouveaux ouvriers. Il y en a plein, on en a besoin. Prie maintenant, demande de nouveaux ouvriers. Que le Seigneur suscite de nouveaux ouvriers pour sa moisson. Parce que les broyés dans la bababa, les bracas dans la bababa chenda, les cotons dans la bababa chenda, les cartons dans la bababa chenda. Oh Seigneur, nous avons envoyé ces ouvriers. Envoie ces ouvriers qui ne perdent rien, qui n'abandonnent pas, qui ne s'excusent pas, qui ne donnent pas des excuses, qui ne donnent pas des commentaires ou des arguments bizarres. Nous envoie des ouvriers. Qui sont prêts, qui ont soif de la mission. Envoie-les, Seigneur. Envoie-les dans la communauté. Envoie-les dans la communauté. Ces ouvriers que tu as déjà préparés depuis la nuit de temps. Envoie-les, Seigneur. Oh, Seigneur, envoie-les, Seigneur. Ces ouvriers qui ont la soif, qui ont le fardeau à cœur. Le fardeau pour les salaires des âmes à cœur. Oh, Seigneur, envoie ces ouvriers. Envoie-les, Seigneur. Envoie les ouvriers. Envoie les Seigneurs. Nous te le demandons. Alléluia. Commençons maintenant par dire merci Jésus. Merci Seigneur. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Ça vous sort des cris de joie. Dans ce cri de joie, tu peux sauter même sur tes pieds. Alléluia. Alléluia. Un renouveau commence. Un nouveau grand souffle sur la communauté. Nous irons de là-bas. Fortifie-toi. C'est sans commentaire. Président, merci. Merci beaucoup. Nos biens. Alors, c'est dans cette même entité que j'allais demander à monsieur Tidjo Le Pombé de venir nous conduire dans les offrandes.
Merci. Merci, MC. Une fois encore, bonsoir, messieurs et dames. Ce moment est un moment de grâce. Est-ce que nous avons été bénis par l'exhortation, les séances de prière tout à l'heure? Oui. Est-ce que nous avons été bénis? Oui. Vraiment? Oui. Et vous savez, la communauté n'est pas une église. On l'a dit tout à l'heure, je ne veux pas revenir là-dessus. Et nous ne prenons pas les tirs. Mais la communauté œuvre et travaille. Et vous avez vu tout à l'heure que la plupart de l'exhortation de la séance de prière portait sur la moisson. Pour la moisson, il faut des moyens. Il faut des ouvriers. Et ce moment est un moment de grâce, est un moment de bénédiction. Je ne vais plus revenir sur des témoignages après le moment de semence. Mais regardons autour de nous. Comment, avec douleur, avec le pincement de cœur, nos parents qui sont cultivateurs sèment et attendent avec espérance le moment de la moisson. Les petites graines que nous mettons en terre deviennent des milliers d'épis. N'est-ce pas? Je vais vous inviter. Parce que dans les psaumes, il est écrit, ceux qui sèment dans les moments de douleur, récoltent avec les larmes de joie. Récoltent avec les larmes de joie. Peut-être que tu es venu ce soir. Tu traînes le problème financier à cause de ton business qui ne marche pas. Tu traînes peut-être le problème professionnel à cause de ton emploi que tu as perdu. Ou tu as des difficultés. C'est un moment de grâce. C'est le moment de sacrifice. Comme ce paysan-là qui sème ses dernières semences et attend espérément le moment de la moisson pour récolter en abondance. Dans l'évangile selon Marc chapitre 4, le verset 26 est suivant. Il est écrit qu'un homme sème et attend qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il dorme ou qu'il veille, la semence porte des fruits parce que c'est un mystère, il ne le fait pas. Et la communauté est une bonne semence, est une bonne terre. Ce n'est pas cette terre où il est écrit dans les semences de Jésus-Christ lui-même, où vous le jetez, les épines vont l'envahir. Ce n'est pas non plus cette terre qui est rocheuse, où les épis ne vont pas porter des fruits. Mais c'est cette terre, je vous l'assure, qui est une bonne terre pour faire fructifier les semences que nous allons porter. Donc je vais vous prier avec des intentions vraiment nobles d'expérimenter la grâce de Dieu ce soir. Et que pour les prochains jours, les prochains mois, les prochaines séances, que quelqu'un vienne témoigner que la semence que j'ai faite ce jour, cette semence spéciale, a porté beaucoup de fruits. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons sortir nos semences, nos offrandes? Faisons comme le Saint-Esprit nous l'ordonne ou selon que notre cœur nous le demande. Sortons nos semences, sortons nos trucs et ce que nous voulons, des chèques, des monnaies, des billets, des pièces. Qu'à travers cette semence, nous évangélisons et nous sauverons beaucoup d'âmes. Et avec cette semence, nous raconterons encore ta grâce en abondance. À travers les guérisons, à travers les emplois, à travers la restauration de nos business, qu'il en soit ainsi en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Également pour ceux qui n'ont pas d'argent ou ceux qui veulent soutenir l'œuvre, vous pouvez le faire à travers le numéro 98 38 002, ça c'est le flou, le 98 108 002, ou à travers Team Money, le numéro 92 19 05 91. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 See what the Lord has done. What we waiting for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Say, Brennan, see what the Lord has done.
what we're waiting for has come to pass. See what the Lord has done. What we're waiting for. Comparons pas à quelqu'un d'autre, à une autre organisation qui dit. C'est unique. C'est cher. C'est puissant et c'est fort. Parce que la joie te permettra de réussir dans ta vie professionnelle, de réussir dans ta vie familiale, de réussir partout où tu passeras. Partout, partout. Et une bonne odeur de grâce va t'accompagner partout où tu passeras. Si le Saint-Esprit est sur toi. Et on te choisira. Je prie pour quelqu'un ici. Si tu vas passer par une sélection dans les prochaines semaines, qu'on te choisisse. Bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord dire merci au chapitre ALC Concorde pour cette brillante intervention, pour l'orateur de voir, je l'ai toujours dit, tu as un esprit d'enseignant, tu es un enseignant de la parole de Dieu. Et tu seras plus tard un ancien dans une église locale. Tu es un ancien. Acclamons le Seigneur. Les dons de Dieu se manifestent au milieu de nous. Et ce pourquoi nous venons dans des réunions pareilles à la communauté, c'est pour que chacun puisse voir ses dons. Lorsque tu prends la parole, lorsque tu travailles au chapitre, une petite tâche qu'on te confie, Dieu utilise cela pour pouvoir exprimer tes dons, ce qu'il t'a donné. Et c'est pour cela que chaque fois quand je prends la parole, je vous insiste, ne négligez jamais la petite tâche qu'on te confie de faire. Parce que la germe de ton élévation prochaine est dans ça. Amen. Alléluia. C'est dans ça. Lorsque tu sers les autres humblement, petite chose qu'on te confie, un frère qui a dit tout à l'heure qu'elle a commencé, il est accueil. Oui, c'est bien. Quand tu ouvres la porte avec le sourire et quand les gens viennent, ils te bénissent. Et cette bénédiction va changer ta vie. Je crois au plus profond de mon cœur que la bénédiction des hommes change la vie. Amen. Quand on bénit, ça change la vie. Alléluia. Vous êtes bénis. Amen. 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 Alléluia. Deux choses rapidement, prenons courage pour nos chapitres. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est peut-être un peu difficile, mais prenons courage. C'est maintenant. Tu ne peux pas le faire après. Là où tu es là maintenant, là, c'est en ce moment. C'est maintenant que Jésus a besoin de toi. Ne recule pas. Ne te tais point non plus. Parle. Que Dieu te donne l'opportunité de parler. Organiser les réunions, continuer par organiser. Il y a des chapitres que nous devons relever et nous sommes en train d'y travailler ardemment. Organisez les réunions, ne vous taisez point. Je vous encourage. Je ne peux que vous encourager, je ne peux pas dire autre chose. Je vous encourage vivement. C'est pas bien de continuer, je ne sais pas, faire des réunions de prière dans les chapitres et ne pas organiser des réunions publiques. Les réunions publiques, c'est ça qui donne la vie au chapitre. Et donc, venez. Je voudrais vous encourager aussi. La réunion mensuelle, l'onction corporative, l'onction du corps de Christ, qui est ici, c'est une onction spéciale, la réunion du premier mercredi du mois. Bien sûr, tu pries dans ta chambre, mais viens à la réunion du premier mercredi du mois et tu vas voir ce que Dieu va faire. On a annoncé tout à l'heure un tour à l'intérieur. J'en fais partie de cette délégation qui va faire le tour. On sera à Tchamba, à Sokodé, à Kara, et puis on va descendre à Takpamé. On fera un dîner le samedi. Samedi 14 à Takpamé. Je vous invite, vous tous qui êtes disponibles, si tu n'as pas encore une seule fois quitté ton lit, pour aller dormir sur un autre lit, dans une autre chambre pour Jésus, je t'invite. Amen. Tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais quitté ton lit et tu as dormi ailleurs, quelque part, pour la cause de Christ.
je t'invite à faire cette expérience. Il y a une bénédiction spéciale réservée aux hommes d'affaires, aux professionnels qui font cette chose que je viens de dire. Je suis un exemple vivant devant vous de cette bénédiction. Alléluia. Bénédiction, là, c'est pas seulement l'argent. Hein. Cette chose-là, tu es un médecin, tu es un pharmacien, tu es un ingénieur, tu es un juriste, un avocat, qui que tu sois, tu laisses un peu ton activité, tu mets de l'argent un peu de côté et tu quittes ta zone de confort pour la cause de Christ et tu vas rester dans une ville et tu ouvres ta bouche et tu témoignes que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il t'a fait du bien. Dieu va te rétribuer ici sur cette terre et à l'infini auprès de lui. Et ta vie sera différente. Et Dieu fera en sorte qu'il y ait une différence entre toi et ceux qui ne le savent pas. Alléluia. Convention nationale, dernier point. Ça va être aussi quelque chose de spécial. Je vous invite tous. Moi, je vais payer mon inscription ce soir. 5000 francs. Ceux qui veulent faire comme moi, faites-le. Dieu vous bénira. L'inscription, c'est en 5000 francs. Et encourageons-nous du 9 au 10 au 11. Nous avons fait exprès, et c'est Dieu qui nous a conduit, le vice-président David Agbekoué ici témoin, à organiser cette convention à Atakpamé. Je veux lancer un appel tout d'abord à tous les natifs d'Atakpamé. Tu es dans le monde du Full Gospel, tu es né ou bien tu es natif d'Atakpamé. C'est ta convention. Amen. Commence par préparer ceux que tu vas inviter. Tu connais des cadres, des frères en Christ chrétiens, qui ne sont pas membres de la communauté, mais qui sont natifs d'Atakpamé. Invite-les. Dites-leur que les hommes d'affaires du plein évangile vont venir dans sa ville et qu'on l'invite à venir témoigner, à venir voir ce qu'on va faire dans cette ville-là. Nous allons toucher, nous verrons certainement le maire, le préfet, et nous allons lancer un don spécial pour faire une action. Il paraît que les médecins, le corps professionnel de santé qui sont au milieu de nous sont en train de se préparer pour faire quelque chose. Je vais soutenir aussi cela et on va faire une action à Atakpamé, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour encourager ceux qui dirigent la ville, ceux qui sont en train de travailler pour le développement de la ville. Et on priera pour les gens, on rentrera dans les maisons pour prier, on priera pour les gens dans les bureaux et autres, et on fera ça en début de semaine, et le reste des jours, on va faire la convention. Donc je vous invite, mettez ça, notez ça dans votre agenda, vous pouvez vous libérer pour 4 jours, hein, de mardi à samedi, hein, et quitter la ville dimanche. Si quelqu'un peut le faire, Dieu va le bénir abondamment. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais terminer et en déclarant ceci. Le monde est en train de changer. L'Afrique est en train de changer. Soyez attentifs. Dieu est en train d'amener une nouvelle saison dans la destinée des nations. Dieu est en train d'ouvrir doucement une nouvelle page de l'histoire des peuples africains. Armez-vous de courage pour être un instrument de ce changement dans le monde spirituel. Homme d'affaires du plein évangile, femme d'affaires du plein évangile. Armez-vous de courage. Soyez attentifs à la voix du Saint-Esprit et combattez spirituellement pour que nos nations émergent, pour que le développement soit une réalité et que l'Église de Jésus-Christ dans nos nations prenne de l'empreinte et prenne un pas pour l'avancement de nos pays. C'est un temps qui vient. Et des hommes comme nous, des femmes comme vous, avaient un grand rôle à jouer. Ne soyez pas passifs du tout. Soyez concentrés, déterminés, sur votre couche, dans vos maisons, dans vos familles, à prier sérieusement pour que Dieu fasse en sorte que les yeux du peuple, les leaders, les dirigeants des nations reçoivent la vision de Dieu pour la prochaine étape de nos nations. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.
Raviver des flammes dans nos cœurs, dans nos familles et dans nos vies. Nous voulons juste te dire merci, car sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Seigneur, béni sois-tu pour ton amour qui n'a pas de limite. À présent, Seigneur, je te confie chacune des personnes ici présentes. Je te demande de les guider vers leur destination respective. Mais surtout, je demande que la flamme qui a été ravivée aujourd'hui brûle jusqu'à la fin de leur jour et transforme de façon définitive leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.